Nous allons continuer cette formation sur Photoshop avec l'outil œil rouge et l'outil déplacement dans le contenu. Alors pour ça, je vous ai envoyé deux photos. Alors il suffit de les ouvrir. Alors je ne sais pas où c'est que vous les avez mis. Normalement, c'est venu dans votre dossier téléchargement. Mais moi, ici, je les ai dans mes images. Donc dans mes images, et c'est le tuto 05. Donc, vous allez trouver ici deux photos. C'est un pêcheur que nous allons faire un déplacement dans le contenu. Et la deuxième, ça va être pour travailler sur les yeux rouges. Alors, nous allons ouvrir le premier, le pêcheur. Alors, pour ça, je fais un clic droit dessus et je fais ouvrir avec, ici, Adobe Photoshop CS6. Donc le dossier s'ouvre dans Adobe Photoshop CS6. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est dupliquer l'arrière-plan. Alors pour cela, il suffit de faire soit ici calque et dupliquer le calque, soit de faire ici un clic droit et dupliquer le calque, soit de le prendre ici, de l'emmener sur le petit calque, sur la petite icône blanche qui est à côté de la poubelle là, et de lâcher le clic gauche de la souris et vous avez dupliqué le calque. Et ce calque là, arrière-plan copie, il faut le mettre à la poubelle. Alors vous avez aussi trois solutions, c'est calque et supprimer le calque, ou sinon ici vous venez sur le calque, vous faites un clic droit et supprimer le calque, ou sinon le prendre ici, le mettre dans la corbeille comme j'ai fait glisser tout à l'heure pour faire la copie du calque, ou sinon vous, en ayant ici sélectionné, c'est-à-dire bleuté comme ça, il suffit de cliquer ici sur la poubelle pour que le calque soit à la poubelle. Donc là il vous demande une confirmation si vous voulez vraiment supprimer le calque. Alors si vous voulez plus voir ces petites fenêtres à l'ouverture, vous faites ne plus afficher, mais là vous faites oui, vous supprimez le calque. Donc là, nous travaillons ici sur la copie du calque. Donc, on ne détruira pas notre image qui est la première image. Donc là, nous avons un pêcheur. Et ce que je voudrais réaliser avec ce pêcheur, c'est le reculer par rapport au filet pour donner l'impression qu'il a jeté le filet et qu'il l'a jeté de plus loin. Alors, pour ça, nous avons ici dans Photoshop, c'est un outil que nous n'avions pas encore vu, que j'avais laissé en première partie. C'est cet outil-là où il y a l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur, l'outil pièce où nous allons en parler dans un prochain tutoriel, l'outil déplacement basé sur le contenu où nous allons maintenant travailler dessus, et l'outil œil rouge, ça va être l'image qui est après. Alors nous allons ouvrir cet outil déplacement dans le contenu. Alors cet outil déplacement dans le contenu fonctionne comme l'outil lasso. L'outil lasso, vous sélectionnez un endroit, voilà, au lasso, vous avez sélectionné cette partie. Après, si vous voulez prendre le petit déplacement, vous prenez l'outil déplacement, vous voyez que vous enlevez cette partie, mais alors derrière, ça fait le trou blanc. Ce n'est pas la même chose avec l'outil déplacement dans le contenu. Donc là, je vais revenir en arrière. Donc, je vais là, ici, lasso. Et là, je vais vous faire CTRL-D pour sélectionner. Alors, pour la sélection, soit vous venez ici et vous faites désélectionner, soit en venant ici, vous faites CTRL-D au clavier pour désélectionner. Ça, c'est vous qui choisissez comment vous désélectionnez votre photo. Alors là, je vais un peu zoomer sur ce pêcheur pour voir un peu mieux ce que je saisis. Je vais prendre cet outil là donc, et il fonctionne comme l'outil lasso. Donc là où nous allons avoir un endroit qui est assez difficile à sélectionner, ça va être autour de cette main. Alors pour ça, je pars vraiment, je zoome pour pouvoir passer, et je fais un clic gauche de la souris. Je me mets vraiment bien au milieu de mon tapis de souris pour pouvoir tourner autour sans être obligé de reprendre à chaque fois, mais on va voir, on peut reprendre dans la sélection. Je vais vous montrer comment.
Donc là, je pars d'ici. Alors, il ne faut pas non plus trop coller autour du pêcheur. Ça sert à rien parce que c'est un déplacement dans le contenu. Donc, Photoshop va calculer le contenu qu'il y a à côté aussi. Donc là, nous allons sélectionner. Donc, je clique gauche, je monte. Voilà. Là, je descends. Alors là, j'arrive au bout de mon tapis souris. Je bute contre mon clavier. Donc là, j'appuie sur la touche espace, ça me fait une main, je peux lever ma souris, revenir sur mon tapis, et aussi je peux, si je veux, me déplacer dans mon image. Toujours la touche espace enfoncée, hein. Alors il suffit que je lâche la touche espace pour que je continue ma sélection où c'est que je m'étais arrêté. Donc là je vais descendre, je vais descendre. Donc là pareil, là j'arrive en bas, je ne vois pas ce que je fais. Donc j'appuie sur la touche majuscule, je reste enfoncé. Et là, je vais finir ma sélection ici. Donc là, je vais prendre un peu plus grand pour que ça soit réel dans l'image. Vous voyez qu'il y a l'ombre du pêcheur dans l'eau. Donc là, je prends plus grand. Là, je retouche la touche espace pour être vraiment au bout. Là, je suis au bout. Là, donc là, hop, pour pas que ça soit, je vais venir dessous. Là, donc là, j'arrive au bout de mon tapis souris. Je reprends la touche espace enfoncé. J'en profite pour me déplacer un petit peu. Et là, je lâche la touche espace. Alors, j'ai toujours le clic gauche de la souris enfoncé, hein. Tout le temps, le clic gauche de la souris ne bouge pas. Il est tout le temps enfoncé. Là, je arrive à toucher mon clavier. Donc, je prends ma touche espace pour me déplacer. Là, je vais prendre ce reflux d'eau qu'il y a ici. Là aussi, je retouche la touche clavier, mon clavier. Je reprends la touche espace et en plus de ça, je me mets ici. Comme ça, je vois que je peux rejoindre en haut le début de ma sélection. Donc là, je remonte ici. Et là, je rejoins mon début de sélection et je lâche le clic gauche de la souris. Et mon pêcheur a été sélectionné. Alors là, je fais avec la molette de la souris, je fais un zoom moins. Et nous allons déplacer notre pêcheur en arrière. Alors pour ça, je me remets sur mon pêcheur, toujours en gardant ce même outil. Je clique avec le clic gauche et je vais le mettre là derrière. Voilà que ça donne un peu plus de réalité à l'image. Je lâche le clic et à ce moment-là, Photoshop va calculer tout ce qu'il y a à déplacer pour rendre notre sélection qui soit acceptable. Alors des fois, il fait des erreurs aussi. Nous sommes obligés de corriger avec un petit peu avec l'outil tampon. Alors là, suivant votre ordinateur, la puissance qu'a votre ordinateur, ça va être plus ou moins long. Bon, vous attendez que le défilement ici se fasse complètement. Et voilà, nous avons déplacé, reculé notre pêcheur par rapport au filet. Alors là, nous faisons simplement CTRL-D et notre pêcheur a été déplacé. Alors maintenant que nous avons réalisé cette opération, il faut enregistrer la nouvelle image que nous avons faite. Alors on va pas, on a plusieurs moyens d'enregistrer. Soit je vais enregistrer sur le même nom qui était avant, c'est-à-dire que je vais lui faire fichier enregistrer. Alors déjà, si on fait fichier enregistré, il va me demander sur quel format j'enregistre. Alors automatiquement, Photoshop va mettre Photoshop PSD, c'est-à-dire qu'il va vous l'enregistrer au format Photoshop. Alors, le format Photoshop, c'est votre Photoshop que vous avez fait là actuellement. Si vous l'enregistrez comme ça, la prochaine fois que vous ouvrez, vous allez ouvrir avec Photoshop et vous aurez l'image dans cet état-là. Bon, nous, ce n'est pas notre but, ce qu'on veut faire. Nous, on voudrait l'enregistrer en JPEG. Alors pour ça, il suffit de cliquer en dessous dans ce petit triangle. Et ici, nous avons tous les formats que nous propose Photoshop. Alors, dans tous ces formats, le principal qu'on travaille, c'est JPEG. Il y a aussi des formats PNG qu'on travaille aussi un peu ensemble dans la photo, mais on va l'enregistrer en JPEG. Donc on le prend ici. On ne prend pas JPEG 2000 dessous, on prend le format JPEG qui est ici.
Donc déjà, on enregistre au format JPEG. Alors si on enregistre au même nom qu'il y a là, c'est tuto 05 déplacement, il va nous écraser cette photo. C'est-à-dire que ça, c'est la première photo où notre pêcheur n'était pas encore saisi et reculé. Alors, savoir ce qu'on veut faire. Si on veut écraser cette photo, à ce moment-là, il suffit de le faire enregistrer. Et là, Photoshop vous demande aussi dans la base que vous voulez enregistrer. Alors la qualité, si c'est pour l'impression, il vaut mieux toujours la laisser au maximum 12. Si c'est pour le web, bon, pour avoir des fichiers qui sont un peu moins volumineux, vous pouvez descendre à peu près 10 ou 9, mais allez jamais plus bas parce que sinon votre image sera pas nette, elle sera floutée. Donc là, je veux enregistrer pour l'impression, donc je vais le laisser à 12. Et toujours pour l'impression, vous laissez base optimisée. Par contre, pour le web, vous prendrez ici un progressif optimisé. Ça, c'est un format qui est plus adapté pour l'envoi des photos par le web. Maintenant, si vous avez toutes vos photos qui sont enregistrées ici sur base optimisée, ce n'est pas grave, vous pouvez tout de même les envoyer par le web. Ça ne fait pas une grosse différence dans le poids de la photo. Donc là, je peux l'enregistrer comme ça. Alors là, je vais faire annuler pour vous montrer un autre genre d'enregistrement. Ici, je fais annuler. Alors donc, je recommence, je fais fichier. Je vais recommencer à enregistrer ou à enregistrer sous. Je vais faire enregistrer, comme on part pareil que tout à l'heure. Donc là, c'est exactement la même chose. Je vais lui demander du format JPEG. Et ensuite, ici, je vais par contre changer le nom. Plutôt de lui donner tuto 05 déplacement, et ben je vais lui renommer. Donc je reclique ici. Alors soit je renomme complètement le fichier, soit je mets simplement un A pour montrer que c'est un autre fichier à Photoshop et je lui fais enregistrer. Alors à ce moment-là, il va m'enregistrer une nouvelle image. Donc là, c'est exactement la même chose, hein, et je fais OK. Donc là, il m'enregistre ici, vous voyez le pourcentage d'enregistrement. Et maintenant, si je retourne ici dans mon dossier où c'est qu'il y avait mes images et le tuto 5, je me retrouve avec deux pêcheurs, le A et l'image normale. Donc je n'ai pas écrasé cette image qui était avant. Voilà, déjà pour l'enregistrement, nous allons voir avec cette image-là l'enregistrement sous. Donc je vais ouvrir cette image-là dans Photoshop. Alors même si Photoshop est ouvert et que vous avez déjà une image, ce n'est pas grave. Là je vais revenir ici et là j'étais sur tuto 5. Je vais cliquer ici le clic droit et je fais ouvrir avec Adobe Photoshop. Alors là nous avons ici deux yeux rouges qu'on va transformer, qu'on va enlever l'œil rouge. Là, nous allons ici prendre l'outil œil rouge. Donc, on clique ici avec le clic droit de la souris et nous avons ici l'œil rouge. Alors, avant de faire toutes ces opérations, je vais dupliquer le calque. Donc, je le prends, je le glisse ici, ça va beaucoup plus vite. Et celui-ci, je le prends, je le glisse ici. Voilà. Donc, nous travaillons ici sur une copie du calque. Alors, pour les yeux rouges, il faut toujours regarder déjà au départ, parce que là c'est quand même assez important comme œil rouge, hein. Des fois sur des photos, c'est vraiment des petits points. Alors ici, vous avez la taille de la pupille. Alors il faut à peu près dimensionner l'œil par rapport à la taille de la pupille. Donc pareil, alors, ici, tout est toujours pareil, hein, avec Photoshop. On peut agrandir ici, on peut y aller avec le curseur ou en cliquant dedans avec les chiffres. Alors la taille de la pupille, je vais, bon, maintenant que j'ai ouvert ça, je vais le réduire comme ça. Je vais peut-être la réduire un tout petit peu. Ce que je fais toujours, je démarre toujours à 50%, je regarde ce que ça donne. Et après, suivant le résultat, eh ben, j'augmente ou je diminue le pourcentage. Et ici, le taux de durcissement, c'est pareil. Je vais le mettre à 50%, 49,50. Et je vais le laisser comme ça.
Donc j'ai mon outil ici, taille de la pupille, et ici j'ai la couleur que je vais mettre à l'intérieur du rouge. Alors là, on peut choisir la couleur qu'on veut si on fait un clic dessus, et on vient ici même autour de l'œil si on veut changer la couleur. Bon, moi la couleur, bon, peut-être un petit peu foncée, mais je vais la laisser comme ça pour le tutoriel. Comme ça, on va bien voir la démarcation de l'œil rouge. Donc je lui fais OK et je ferme cette fenêtre. Et je vais la faire un carré, peut-être zoomer un peu avec le CTRL plus. Voilà. Et la prendre vraiment l'œil dedans. Donc là, ça va faire un carré. Voilà, comme ça, je saisis tout l'œil et je lâche. Alors là, je vois qu'en pourcentage, vous voyez, j'en ai pas assez parce que ça m'a donné un petit point noir ici, mais ça m'a pas couvert complètement l'œil. Alors pour ça, soit je fais CTRL Z parce que j'ai fait qu'une seule action, soit je viens ici dans l'historique et je remonte d'un cran. Donc là, je fais CTRL Z, ce qui va beaucoup plus vite et ça m'enlève l'œil rouge que je viens de faire. Donc là, la pupille 50%, eh ben, il faudra aller beaucoup plus loin. Je vais la mettre peut-être à 70%. Et donc là, je vais reprendre dessus et je me... Voilà, donc là, on arrive à 70%. Vous voyez, on a complètement atténué l'œil rouge. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, nous sommes à un taux d'obscurcissement de 56. Alors peut-être si on aurait peut-être pu le diminuer un peu. Ça aurait fait l'œil un peu moins noir. On va le faire pour celui-ci. Je vais le laisser à 39. Voilà. Et là, je vais le prendre. Alors donc, je vais sélectionner comme ça. Ça va, même si je suis un peu en haut sur la peau, hein, ça va agir vraiment que sur le rouge. Et là, voilà, on a ce résultat-là. Donc quand on dézoome avec la molette de la souris, on voit qu'on a complètement supprimer le rouge. Alors ici, on était peut-être un petit peu un taux d'obscurcissement élevé. C'est un petit peu plus foncé ici. Donc voilà pour ce qui est de cet œil rouge. Alors maintenant, nous allons enregistrer cette image sous. Alors pour ça, je fais Fichier et je fais Enregistrer sous. Alors là, la boîte de dialogue revient comme on avait vu tout à l'heure, où il me met tout de suite le format PSD. Mais je ne veux pas ce format-là, je vais prendre un format JPEG, donc je clique ici. Alors, malgré que je lui avais demandé enregistrer sous, vous voyez qu'il me met le même nom de fichier que j'ai ici. Alors, si je laisse ce nom-là, il va m'écraser cette photo et je vais avoir qu'une seule photo. Donc pour ça, il faut que je l'enregistre sous un autre nom. Donc je clique ici sur ce nom. Ça devient tout bleu. Alors soit je retape un autre nom, soit je peux faire un clic ici de souris comme j'ai fait tout à l'heure, hein, pour juste lui mettre un A ou un B devant. Mais là, je vais retaper le nom complet. Je vais faire tuto 05 et celui-là c'est le B. Voilà. Donc là, je vais l'enregistrer sous tuto 05B. Est-ce qu'il ne va pas écraser cette image-là? Je fais OK enregistrer. Alors là, c'est exactement pareil. Donc le cache, ça, vous l'oubliez complètement, je m'en sers jamais. C'est pour faire des enregistrements avec les couleurs d'arrière-plan et les différents niveaux de gris. C'est en photographie, on ne s'en sert pas. Donc vous oubliez l'histoire du cache. L'aperçu, alors l'aperçu, si vous le cochez, ça vous donne le poids de la photo. Alors si vous diminuez ici le dossier, vous allez voir que le poids diminue. Hein, c'est juste uniquement un aperçu sur le poids de votre photo. Bon, là, je le mets à 12. Alors, l'aperçu, vous le cochez si vous voulez, hein, ou sinon, vous pouvez le laisser décocher. Et de base standard, non, il faut le cocher base optimisée. Et je fais OK pour enregistrer cette image. Voilà, donc nous avons enregistré l'image. Et maintenant, si nous retournons dans notre dossier image, ici, et que je fasse image. Dans tuto 5, ici, j'ai maintenant 4 images. Ben, voilà pour ce qui est de cette formation. Je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine formation.